élèves, expérience de Messelson et Stahl. Cette expérience qui a eu lieu en 1958, cette expérience historique qui nous a permis de comprendre comment l'ADN se réplique, aussi nous a permis de vérifier lesquelles des trois hypothèses qu'on a émises dans la dernière vidéo est juste, et là, il nous a permis de savoir comment l'ADN se réplique, parce que le problème qui se posait à cette époque-là, aux chercheurs Messelson-Estahl, était alors de comprendre comment se réalise la réplication d'ADN, selon quelle modalité passe-t-on d'une molécule d'ADN formée de deux brins à deux molécules d'ADN bicaténères identiques. Pour résoudre ce problème, ces chercheurs, ils ont réussi à cultiver, de cultiver des bactéries. Vous allez me poser la question pourquoi des bactéries? Ben chers élèves, pour simple cause, ce sont des micro microorganismes qui ne prennent pas beaucoup de place, aussi ça coûte pas cher et les bactéries se reproduisent très vite. Donc ils ont réussi à cultiver ces bactéries dans deux milieux différents contenant de l'azote. Pourquoi l'azote? Rappelez-vous, chers élèves, que parmi les constituants de l'ADN, il y a des bases azotées. Et lorsque tu dis pas azoté c'est-à-dire qu'il y a de l'azote donc si on veut suivre facilement comment ça se passe la réplication d'ADN c'est très intéressant très intelligent d'utiliser l'azote d'où Messelson et Stahl ils ont utilisé deux types d'azote qui se distinguent par leur masse l'azote léger N14 et l'azote lourd N15 donc ils ont réalisé cette culture puis pour qu'ils puissent savoir comment le processus passe, parce que au moment de la réplication, comme il faut fabriquer des nucléotides, donc des bases azotées qui contiennent l'azote, ces bactéries, ils vont intégrer dans leur ADN répliqué soit l'azote N14 si on leur fournit N14, soit l'azote N15 si on leur donne. N15. Donc, ils ont procédé, et à faire une extraction de l'ADN selon des techniques, puis à une centrifugation de cet ADN. Quel sera l'objectif de notre vidéo prochaine pour que je puisse vous expliquer euh, le procédé, la technique de centrifugation, comme ça se passe La centrifugation. Vous vous rappelez que Messessessesson et Stal, ils ont procédé à faire une extraction de l'ADN, puis une centrifugation. C'est quoi la centrifugation La centrifugation, c'est un procédé de séparation des composés d'un mélange par rotation rapide en fonction de leur différence de densité. C'est une technique qui nous permet de séparer les composants d'un mélange en fonction de leur densité. Lorsque je dis par rotation rapide, parce que l'appareil utilisé, c'est une machine, c'est une centrifugeuse qui tourne à grande vitesse. Je vous donne un exemple. Là, j'en ai le mélange à l'état initial qui est composé par partie liquide et partie solide des constituants solides. Je le mets dans l'appareil centrifugeuse. Après un certain temps, l'état final, qu'est-ce que j'obtiens J'obtiens deux fractions. Le kilo qui se précipite au fond du tube et une fraction qui est moins dense qui se trouve à la surface. Vous devez savoir, chers élèves, que. La molécule d'ADN ira de temps plus vers le fond de tube lors d'une centrifugation si cette dernière, c'est-à-dire la molécule d'ADN, est de masse moléculaire très importante. D'où l'azote légère, elle est caractérisée par une faible densité. Faible densité, donc elle va migrer beaucoup moins dans le tube de centrifugation. Où peut-on le trouver au niveau de la surface. Tandis que l'azote dense, il est caractérisé par une forte densité, il aura tendance à se retrouver au fond du tube au niveau du culot. Expérience de Messelson et Stahl. Si vous vous rappelez très bien, dans la dernière vidéo, on a vu que Messelson et Stahl, ils ont préparé des cultures, des bactéries, dans un milieu, en premier temps, dans un milieu contenant l'azote lourd, N15. Puis, ils ont procédé à faire des prélèvements et des transferts sur des milieux contenant l'azote N15. N14. La capsule d'aujourd'hui, chers élèves, sera consacrée à analyser les résultats attendus pour les différents modèles de réplication qui ont été émis par Meselson et Stahl, c'est-à-dire le modèle conservatif, modèle semi-conservatif et le modèle dispersif. Donc, tout se passe, on prend une cellule qui contient une molécule d'ADN mère qui a été cultivée en premier temps dans un milieu contenant l'azote. 15, et vous devez savoir que tout se passe pendant la phase S. On l'a fait transférer dans un milieu qui contient la DN, la DN légère, N14, selon le modèle. Conservative, qu'est-ce qu'on fait Ça, c'est la, la molécule mère. On garde, on conserve la molécule mère et on copie une autre molécule qui sera mieux formée. Elle sera constituée par la DN légère. Donc, dans la première génération, on obtient 50% d'ADN légère et 50% d'ADN lourd. Passons maintenant à la deuxième génération. Même principe, je vais prendre cette molécule-là. C'est la DN paternelle. C'est la molécule mère. Donc, on la garde et on fait quand? On fait une autre molécule qui est formée par de l'ADN légère. L'autre, on la garde, on la conserve et une autre molécule new formée qui sera calquée sur cette dernière. Donc, dans la deuxième génération, si vous regardez combien on a obtenu, 1, 2, 3, 4. Donc, trois quarts, c'est-à-dire 75% d'ADN légère et un quart d'ADN lourd. Passons à la troisième génération. Du même principe, toujours, on garde la molécule mère, on la, on la conserve et on coupe une autre molécule qui sera identique à la molécule mère. Comme résultat final, qu'est-ce que j'obtiens J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur 8. Ça veut dire 97,5 d'ADN léger et 1 sur 8 d'ADN qui est lourd. Ce sont les résultats selon le modèle conservatif. sont stables toujours. Maintenant, aujourd'hui, on va traiter le modèle semi-conservatif. Notre point, pardon, notre point de départ, c'est c'est un ADN d'une cellule mère qui vient d'un milieu. Contenant l'azote N15, l'azote lourd, qui a été transféré sur un milieu N14. Donc voilà ma molécule de départ. Selon le modèle semi-conservatif, qu'est-ce qu'on a La molécule mère sera scindée en deux brins à matrice qui seront éloignés et par complémentarité de base en forme des brins new formés. C'est ça ce qui va se passer. Voilà ma molécule de départ. Elle sera scindée en deux le brin bleu et le deuxième brin bleu, il y aura formation des deux brins New formés par de l'azote légère. Donc comme résultat pour la première génération, qu'est-ce que j'en ai J'en ai 100% d'ADN hybride, 100% d'ADN intermédiaire qui est formé par un mélange d'ADN lourd et d'ADN léger. Lorsque je passe à la deuxième génération, le même principe... Ma molécule de départ, c'est celle-là. Elle sera scindée en deux. Le brin bleu va venir ici. Le brin rouge va venir ici. De nouveaux brins vont être formés, vont être synthétisés par de l'azote légère en rouge. C'est celui-là. Le deuxième en rouge, c'est celui-là. Et de même manière pour cette molécule-là, elle va se scinder en deux. Le brin bleu ici, le brin rouge ici, formation de nouveaux brins nouveaux formés. Les voilà en rouge, formés par de l'ADN léger et le deuxième ici. Qu'est-ce qu'on aura comme résultat Regardez avec moi, j'en ai un, 2, 3, 4. Donc deux sur quatre, ça veut dire 1. Sur 2, ça veut dire 50% d'ADN intermédiaire. La voilà. Et 1, 2, 1, 2, 2 sur 4, ça veut dire 1 sur 2, ça veut dire 50% d'ADN léger. Lorsque je passe à la troisième génération, le même principe du modèle semi-conservatif. J'insiste, je, 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 on est dans un milieu qui est contenant de l'azote légère. Comme résultat, regardez ce que je vais obtenir. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'en ai 1, 2. 2 sur 8, ça veut dire 1 quart, ça veut dire 25% d'ADN commun, d'ADN hybride, d'ADN intermédiaire. L'autre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 8, 3 sur 4, ça veut dire 75% d'ADN léger. Ça, ce sont les résultats du modèle semi-conservatif. Chers élèves, expérience de Messel sans modèle dispersif, le dernier modèle. Donc, notre point de départ, vous le savez déjà, c'est l'ADN d'une cellule mère qui vient d'un milieu contenant l'azote N15 et qui a été transféré sur un milieu N14. Voilà mon molécule de départ. Qu'est-ce qu'il dit ce modèle dispersif Selon le modèle dispersif, on disperse l'ADN initial en une multitude de petits morceaux, en une multitude de fragments parentaux qui sont ici en bleu de la molécule mère et des fragments nouvellement synthétisés que j'ai dessinés ici en rouge, vu que je suis dans un milieu n. 14. Donc, qu'est-ce que j'obtiens dans la première génération J'obtiens, regardez très bien, 100% d'ADN hybride, 100% d'ADN mélangé, c'est-à-dire il y en a un petit peu de vieux et un petit peu de jeunes. Deuxième génération, même résultat, 100% d'ADN hybride. Et la troisième génération aussi, 100% d'ADN hybride. Ça, ce sont été les résultats l'expérience qui ont fait Messelson et selon le modèle dispersif. Me revoilà, l'expérience de Messelson et Ces deux chercheurs, ils ont réussi à cultiver. Dans un milieu de culture des bactéries dirichées à Chakouli, l'un contenant l'azote N14, l'autre contenant de l'azote N15. Ils ont procédé à l'extraction de l'ADN puis à la centrifugation. Après centrifugation, ils ont obtenu dans les tubes de centrifugeuse, ils ont obtenu deux bandes, comme vous voyez, qui sont situées à des distances différentes, qui ont des densités différentes. La première bande est là pour une densité 1,710. Ça coïncide avec un ADN qui est légère. La deuxième bande a pour densité 1,724, c'est l'ADN lourd. Après ces deux expériences, Messelson et Stahl ont réalisé des cultures dans un milieu contenant seulement de l'azote N15. Après extraction de l'ADN et centrifugation, ils ont pu obtenir des bactéries qui ont un ADN qui est lourd, c'est-à-dire on a obtenu une bande dont la densité est 1,724. Après ça, ils ont prélevé, ils ont réussi à faire des prélèvements, des transferts dans un milieu contenant de l'azote N14. Comme résultat pour le premier cycle, ils ont obtenu des bactéries qui ont un ADN intermédiaire. Pour le deuxième cycle, ils ont obtenu des bactéries qui possèdent 50% d'ADN légère et 50% d'ADN intermédiaire. Pour le troisième cycle, ils ont obtenu des bactéries qui possèdent euh, 75 d'ADN légère et 25 d'ADN intermédiaire. Aujourd'hui, on va essayer d'analyser les expériences de Messelson et Stahl. Messelson et Stahl, ils ont obtenu pendant la première génération de culture des bactéries dirigées à chacouli, ils ont obtenu des bactéries qui possédaient un ADN qui migrait dans une bande sur une bande intermédiaire entre la entre la bande de l'azote légère et l'azote Lourd. Cela veut dire que l'ADN de ces bactéries, il est mixte, il est hybride, il possède à la fois l'ADN 14 et l'ADN 15. On peut donc, dans ce cas-là, éliminer l'hypothèse du modèle conservatif, parce que, selon cette hypothèse, il propose dans la première génération deux molécules d'ADN, une ADN lourde N15 et une autre légère. On aurait dû donc obtenir deux bandes, une bande qui se situe euh, entre 1,724, une autre qui se situe entre 1,710. Donc, lorsque je passe à la deuxième génération, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens des bandes, une bande d'azote qui est intermédiaire, et une bande d'azote qui est légère. Ce résultat nous permet d'éliminer le modèle dispersif. Parce que, selon ce modèle dispersif, qu'est-ce que j'obtiens dans la deuxième génération? J'obtiens des bactéries qui ont 100%, c'est-à-dire qui possèdent un ADN hybride, un ADN mixte à la fois légère et à la fois lourd. Donc, le bon modèle, c'est le modèle semi-conservatif qui correspond bien au résultat de l'expérience de Messelson et Stahl. Regardez. C'est ça. Donc, c'est le modèle semi-conservatif, parce que, selon ce modèle-là, dans la deuxième génération, qu'est-ce qu'on obtient? 50% d'ADN mixte et 50% d'ADN légère.